Et c'est pourquoi le service de Dieu que l'on demande à tous les Juifs pour terminer l'exil, quelle que soit la ligne qu'il a choisie, la ligne de la Torah qu'on a vue, la ligne de la prière, du service de Dieu, de la Avodat Hashem, ou de la Gmilut Hasadim, le don vers les autres, dans tous les cas de figure, puisque nous sommes en ce moment dans la lecture de la parashat Chayei Sarah. Pourquoi Sarah a obtenu ce fils admirable, Yitzhak? Il rira. Elle a obtenu ce mérite d'avoir un fils comme Yitzhak parce que toute sa vie, elle a été Bessimcha, même sans raison. La joie sans raison dans le service de Dieu, c'est ça qui amènera par le principe de Simcha, qui sont les mêmes lettres que Mashiach, c'est ça qui amènera très rapidement la rédemption du peuple juif. Et comme nous avons commencé à le dire, que le Kotel ne sera plus le Kotel, mais sera l'emplacement du troisième temple qui sera reconstruit très rapidement de nos jours et peut-être même maintenant si nous le voulons. Il y a deux choses. La première, la plus importante, c'est merci. Merci au Rav, merci à la Yeshiva, merci aux amis, merci à Or Gabriel d'être là, d'être toujours là, toujours ouvert, à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, d'être disponible, de donner, de jamais demander, de jamais demander beaucoup de retour. Ça m'a aussi impressionné. Les gens travaillent beaucoup dans l'ombre. Et on se rend compte après que les mezouzot, c'est aussi ça. Et ainsi de suite, plein d'activités, et ben c'est aussi la yeshiva. Et donc, merci de faire tout ça pour chacun de nous. Et la deuxième chose, c'est, puisque tout ça, ça fonctionne, et ça a besoin de fonctionner, et ben ça aussi, je demande à tous ceux qui sont sensibles à la Yahadout, à la Torah, à la yeshiva, que je suis sûr que chacun en lui, il a une petite chose qui sera touchée par un message, et s'il est touché par un message, le mien ou celui de quelqu'un d'autre, alors que sa réponse, ça soit de donner. Donner et d'aider. De la même manière que la yeshiva, elle est sensible à chacun de nous, et elle nous donne, Donc j'espère que ça va bien se passer, et qu'on va pouvoir perdurer et reperdurer jusqu'à la venue du Mashiach, évidemment. Shepherd God, I talk about.